l'INDH et l'expérience de l'INDH, l'expérience marocaine s'exporte. C'est aujourd'hui un levier de la coopération de Sud-Sud, n'est-ce pas ? Tout à fait. On peut dire qu'aujourd'hui, après plus ou moins 13 ans de vie de l'INDH, parce que c'est dans l'Instro a donné le démarrage de l'INDH en 2005, je peux dire que nous avons de bonnes relations de partenariat Sud-Sud. Et ce partenariat, bien sûr, s'inscrit dans la vision, dans la stratégie de Sa Majesté pour renforcer cette coopération et surtout pour apprendre les uns des autres. Parce qu'on est dans un partenariat gagnant-gagnant, dans un partenariat d'échange d'expériences, dans un partenariat où, personne n'est donneur de leçons. Au contraire, on est là pour écouter, pour améliorer et s'améliorer également, également pour atteindre un seul objectif, à savoir le mieux-être et le bien-être de la population qui vit dans la pauvreté, dans l'exclusion et dans la précarité. Alors notre partenariat avec les pays d'Afrique, je dirais que nous travaillons maintenant avec plus ou moins une quinzaine de pays. L'année dernière, l'anniversaire de l'INDH, le 12e anniversaire de l'INDH, c'était sous les signes coopération Sud-Sud. Et à l'issue de ce forum, on a constitué un groupe qui travaille maintenant. On a mis en place une feuille de route, une stratégie également pour voir comment assurer, si vous voulez, deux choses. Tout ce qui est accompagnement des jeunes, et on sait très bien que les jeunes, c'est une grande importance. Sa Majesté l'Instro, dans la lettre d'ouverture de ce forum, il a dit que les jeunes, c'est un atout de tous les pays si on arrive à bien les gérer d'une manière intelligente. Donc ceci nous interpelle davantage pour travailler la main dans la main avec les pays africains pour justement permettre une inclusion socio-économique des jeunes. Également, nous travaillons avec nos pays, avec les pays d'Afrique, pour tout ce qui est, je dirais, accompagnement des personnes à besoins spécifiques, que ce soit des enfants autistes, des enfants trisomies, et également, moindre mesure, tout ce qui est personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Et là, il y a un accompagnement qui se fait en matière de formation, de renforcement de capacité, de normalisation de centres pour accompagner ces personnes. Je peux dire que jusqu'à présent, on est sur la bonne voie. Il y a beaucoup de partage d'idées. Bientôt, on va organiser un grand forum sur le développement humain, mais pas au Maroc, dans un autre pays qui va l'organiser. Je crois que ce sera au mois de septembre, au mois d'octobre. Dans quel pays, on peut le savoir ? Ben, on est sur deux pays. On est sûrement sur le Gabon, pardon, sur le Cameroun. On est encore en train de discuter, ce n'est pas encore arrêté. Mais en tout cas, le thème est arrêté, c'est les jeunes et c'est l'inclusion économique. Donc le thème, on l'a arrêté. On est en train de travailler sur la feuille de route pour le mois de septembre, Inch'Allah. Et ça sera vraiment à chaque fois un autre pays, puisque maintenant on est plus ou moins 12-13 pays qui travaillent sur ça. Et chaque année, c'est un pays qui va organiser cette rencontre. L'idée, comme je viens de le dire, c'est de renforcer la coopération et à partir de là, identifier les thématiques les plus d'actualité qui vont impacter d'une manière positive nos populations et à partir de là se mettre autour d'une table pour voir comment on peut travailler ensemble, bien sûr en respectant les spécificités de chaque pays parce que c'est un patrimoine qu'on doit respecter, qu'on doit sauvegarder, mais à partir de là comment on peut innover, comment on peut aller vers l'avant, pas seul mais dans un partenariat gagnant-gagnant.